Bonsoir à toutes les filles de Facebook. Écoutez-moi très bien. Quand on vous parle, écoutez. Quand on vous donne des conseils là, écoutez. Quand on vous dit faites attention avec les garçons avec lesquels vous fricotez sur Facebook. Quand on vous dit faites attention avec les garçons auxquels vous donnez des rendez-vous sur Facebook. Faites attention avec les garçons à qui vous donnez votre numéro de téléphone. C'est pour éviter ce genre de situation et des séquestrations désastreuses à l'encontre de votre propre vie, et de vous-même, de vos amis, de vos familles. Quand on vous passe pour vous préserver, quand on vous donne des conseils, hein, il faut l'appliquer. Quand on vous parle, il faut écouter. Vous fricotez sur Facebook, vous faites n'importe quoi sur Facebook, vous vous abonnez à des trucs vraiment désastreux, vous donnez des rendez-vous bidons à des gens que vous ne connaissez pas. Tu sais pas si tu as affaire à un violeur, un psychopathe, un maniaque. Tu ne sais pas. Vous donnez votre numéro de téléphone, vous fricotez comme vous voulez. Vous avez des rendez-vous bizarres, bidons, dans lesquels on vous prend des guet-apens et ces vidéos-là se retrouvent publiées sur Facebook. Aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe en Guinée. Une pauvre fille se fait séquestrer par un soi-disant hippopotame guinéen. Je vous montre la vidéo, après je vais intervenir. Vous voyez ce que cette fille a subi aujourd'hui pour des bêtises, des fricotes avec n'importe qui sur Facebook. Mais je ne blâme pas totalement la fille. Je tiens aussi à m'adresser à votre soi-disant hippopotame guinéen qui a séquestré la fille. Tu es un homme, tu es un garçon. Tous tes camarades mentent aux filles, blaguent les filles, flattent les filles et puis les niquent, puis les blessent. Toi, tu es un garçon, tu dis que tu es garçon, ta maman t'a accouché garçon, c'est Pini qui en parle pour toi. Tu menaces et tu séquestres une femme avec un couteau, une lame blanche de surcroît, pour qu'elle se déshabille, pour que tu puisses l'humilier sur Facebook. Et tu penses que tu vas t'en tirer. Un vrai garçon, de chez garçon. Quand tu dis que tu es garçon, que tu veux niquer une go, hein, c'est ta bouche. Tu prends tes balles, tu blagues la fille, tu mens la fille, tu la flattes, tu la mets en confiance et puis tu la niques. Les gens disent que ouais, tu es un vrai garçon, mais toi, tu es une flippette, tu es une tapette. Une vraie flippette. Tu menaces une fille avec une lame blanche, un couteau. Ensuite, tu divulgues la vidéo sur Facebook et puis tu es fier de toi. C'est Dieu qui va te payer. En un mot, vous les filles, je vous dis, faites attention à qui vous fricotez sur Facebook. Faites attention à qui vous donnez votre numéro de téléphone. Faites attention à qui vous donnez rendez-vous. Dans les hôtels, dans les restaurants. Faites attention. Pour éviter ce genre de situation désastreuse pour vous. Chaque jour, vous parlez, vous ne comprenez pas. Aujourd'hui, c'est en Guinée. Demain, ça sera en Côte d'Ivoire. Ou bien peut-être Gabon, Mali, Burkina, Gabon, je ne sais pas. Mais faites attention. Maintenant, toi qui as menacé la vie avec un couteau. Tu es un vrai PD. On devrait t'enculer pour ça.